merci. Tout d'abord, permettez-moi d'exprimer ma gratitude à Monsieur le chef de l'État qui m'a renouvelé sa confiance en me portant à la tête de l'Université Gaston-Berger après un temps passé comme recteur à l'Université de Thiès. Je voudrais étendre ces remerciements à Monsieur le ministre de la Recherche pour cette marque de confiance renouvelée. Je voudrais également remercier la communauté de l'Université de Thiès, parce que je viens de l'Université de Thiès, où j'ai passé 14 mois. C'est une période courte, mais qui a été suffisante pour moi pour tisser des relations très fortes avec cette communauté. Et nous avons pu ensemble insuffler une dynamique grâce à laquelle nous avons pu obtenir des résultats très encourageants. Et nous pensons que cette université-là est sur une bonne piste, connaissant celui qui prend le relais, en l'occurrence le professeur Matar Mourset, qui vient de l'université de Bambé, qui est un grand travailleur, qui est au nombre de consensus. Je ne doute pas un seul instant que l'université de Thiès ira de l'avant. Vous l'avez dit, ma venue à l'université Gaston-Berger, c'est une sorte de retour à la maison, parce que en 24 ans, bientôt 25 ans de carrière universitaire, à part les 10 mois que j'ai passé à l'UCCHAN, de Dioko comme assistant, et ensuite, plus récemment, les 14 mois passés à la tête de l'Université de Thiès, les 22 ans restants, je les ai passés à l'Université Gaston-Berger, où j'ai fait toute ma carrière universitaire d'assistant à professeur titulaire, et où j'ai eu également à occuper un certain nombre de responsabilités. Donc, en revenant ici, je reviens confiant, parce que c'est une université que je connais, qui a un atout majeur, qui a su faire le plus difficile, c'est d'instaurer une culture. La culture de l'excellence, à l'UCE Gaston-Berger, ce n'est pas un slogan, c'est une chose en laquelle les gens croient, mais c'est surtout quelque chose qui a été cultivé au fil des années, de 1990 à 2014. Toutes les autorités qui se sont succédées, du professeur Amadou Lamine Ndiaye, premier recteur, au professeur Lamine Gueye, en passant par les recteurs Ndiawar Sarr et le professeur Marito Nyan, tous se sont inscrits dans la même dynamique de l'excellence. Donc pour cette raison-là, je suis confiant aussi parce que je connais le potentiel de l'UGB sur tous les plans, potentiel intellectuel, potentiel d'expérience accumulée au fil des années dans le cadre d'une orientation acceptée. Et quelles que soient les difficultés, quelles que soient les petites perturbations qui ne peuvent pas manquer dans un espace universitaire, ce qui est constant, c'est que l'Université Gaston-Berger n'a jamais perdu l'axe principal. Donc, pour toutes ces raisons-là, vraiment, je suis très optimiste. Ensuite, je suis optimiste parce que les universités sénégalaises sont à un tournant particulièrement important. Il y a des réformes majeures qui sont en cours aujourd'hui et personnellement, je fais partie de ceux qui sont convaincus que l'enseignement supérieur au Sénégal n'a jamais été, depuis notre indépendance, dans une dynamique aussi porteuse. Parce que lorsqu'on a au plan stratégique un cadrage très clair, toutes les universités ont des plans stratégiques. Avec l'État du Sénégal, il y a des contrats de performance. Souvent, on retient des contrats de performance, le seul aspect financier, l'appui financier, mais il y a plus important. En fait, le contrat de performance, c'est une jonction entre les orientations fondamentales de l'État en matière de besoins de développement, d'une part, et les attentes de cet État pour parvenir à les textes, que les textes n'inhibe pas les initiatives, ne les bloque pas. Là aussi, vous savez que l'État du Sénégal a initié une loi cadre et il y a un ensemble de textes qui sont en train d'être pris, qui sont dans le circuit. Et lorsque ces textes seront validés, ça va beaucoup libérer les initiatives dans les universités. Enfin, le dernier exemple que je voudrais donner, c'est même la structuration. Maintenant, au Sénégal, enfin avant les réformes actuelles, pendant longtemps, les universités ont eu une propension à vivre en vase clos. C'est-à-dire chaque université avait beaucoup de bonne volonté, réalisait de bonnes choses, mais il n'y avait pas ce sentiment de l'existence d'un espace sénégalais de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, vous avez vu, pour la passation de services, ça a été supervisé
par le chef de l'espace, le directeur général de l'enseignement supérieur, en plus des techniciens financiers. Qui est Tofi, qui est toujours Mouni Diapelé. Sous l'ouest, Bogona, Bla Maïnot, Université Gaston Berger, Sainte Gorom remercier, ou à l'Université de Thiès. Vraiment, il faut qu'il y ait la DEF Université de Thiès, ou à l'Université de Bougatobo. Il y a le dimbalé nous que sur une relation, nous tissons une relation de deux. Nous fait dit tout yep, d'ailleurs ligué dans bonne direction. Moi, DEF Université Gaston Berger, Université d'excellence. Il y a le DEF ne beau long ramené d'ailleurs qu'on commence depuis professeur Amal Lamine Ndiaye. Pour professeur Lamine Ndiaye mi, moi remplacé. Qui digant tu vas mon professeur Jawar Sar, professeur Marito Nyang. Nous on yep connect si on veut bien qu'on continue. Le recteur rek mënul dara, c'est parce que aussi enseignants yu xara ñoo fi nek, conseil administratif technique et service yu entre fi nek, étudiants aussi yalla dimbalé ñu. On a toujours eu étudiants yu xamé yu bok ci ñi gëna xara ñu recruter fi ci université bi motax société résultat université Gaston Berger muy concours yi au plan national, muy concours au plan international yu nga xamné yu gëna complexe ci adina bi. Waaw université Gaston Berger dal musuñ ci de ci gannaaw. Donc, culture bobu danaka potentiel bu nga xamné déjà facteur favorable que su nexé yalla da nañ ci continuer. Amna aussi dama am aussi optimisme parce que xamna professeur Lamine Ndiaye xamna lu mu fi jotté def ñoo nek do won légui de ngeen témoignage yépp xari étudiants yi wax nañu parce bi wax na enseignants yi wax nañu vraiment sant nañ ko gëreum nañ ko té man aussi am lu mu xam ci mom xamna ni intellectuel la. Il est très direct, il est très honnête, mais c'est un homme de consensus, c'est un travailleur. Donc, le feigne qui t'a bien foutu, mon ami Yagoufi, mais l'une fille des délégués et témoignages, on a fait un bon bilan. On a dit que mon vraiment, il y a un def, def, n'a quoi, et l'université bio aussi, def, n'a été sous son magistère. Benen, moi, petit Moudje, moi, il y a un optimisme, t'es warno, université sénégalienne. Ndax dañoo nek ci période réforme yoy nak lélé problème bi moy ñepp xamuñu lu nek ci biir réforme yi parce que ñu déggé réforme rek bi ñu ñëng xalaat bourse suñu déggé réforme dañuy dégg yok nañu droit d'inscription mais 78 points yi xëy na ñaari points yoy rek ñu fi indi presque débat lu ci dess so leen jëlé benn benn té loolu ñepp ci wara taxaw moy expliquer réforme bi lam mo ci nek suñu né classe yi doyul. Il faut que nous ayons une classe pour nous aider à la réforme de l'UBOC. Si nous avons un encadrement de l'UBOC, nous avons un recrutement d'enseignants, nous avons encadré, etc. Donc, nous avons une ligne de temps. Si nous sommes au Sénégal, vraiment, la littérature est très bonne pour l'UBOC, mais quand même, les sciences, technologie, professionnalisation, nous avons un nouveau Sénégal, nous avons un nouveau Sénégal, mais nous avons un nouveau Sénégal, nous avons un nouveau Sénégal pour l'UBOC. Réforme. Donc, la réforme est dans la chance d'enseignement supérieur. Les universités, yep, nous avons des conditions. Nous avons des partenaires aussi, nous avons des réformes, nous avons encouragé. Nous avons des banques mondiales, pratiquement, nous avons mobilisé les loups dans des vraiment conditions, c'est presque des prêts bons. Parce que les conditions prêts, si vous voulez vous battre, vraiment, nous avons une pression à l'État Sénégal. Donc, ce que nous avons fait, c'est le problème qui est le plus grand. Nous savons que c'est le plus important. Le problème boursier, nous sommes en phase de transition. Nous avons eu 3-4 mois, créer une situation stable. Le problème, c'est le plus important, c'est le problème d'infrastructure. Parce que l'erreur que nous avons fait au Sénégal, il faut que nous le connaissions, c'est l'État Sénégal qui a fait vraiment tabac élément école primaire, tabac collège, tabac lycée. Nous savons que les gens ne sont pas en train de se faire. Ils sont. Donc, on a beaucoup d'élèves. Ça signifie que nous avons des bacheliers. Normalement, dans deux ans, sous les réels, on devrait pouvoir réceptionner l'essentiel. Ça, une salle d'Antiag. Et ce que je veux encourager, c'est que le professeur Lamine Ndiaye a commencé. Je veux dire que le délégué de l'UNWAR, ça m'a beaucoup touché. Mais nous avons un bop, un pari, que nous avons un directeur. Moi, année perturbation zéro. Pour ce moment, il y a aussi des gens, mais vraiment, nous avons fait des choses. Inch'Allah, nous avons fait des choses pour nous aider, pour nous encourager, pour nous voir qu'au Sénégal, on peut bien travailler avec perturbation zéro. Pour que nous puissions faire des choses, Inch'Allah, nous avons fait des choses.